Oh shit! Allez, avance, saute, enfin, je sais plus. Yes! Non mais attendez, on n'a pas fini. Non mais on s'en fout, tais-toi. Ouais, on est les premiers. Vive le PSG. Non mais c'est pas ça le texte. Ah oui, je te jure, c'était trop facile. Ça a été vraiment une partie de plaisir quand il y avait un bloc qui nous empêchait de sauter. J'y retournerai là-bas. Ah, il est super ce raccourci. Non mais, il y avait un putain de raccourci. Oh non, pourquoi on est aussi con? Peut-être parce qu'on n'a pas de cerveau. Ah oui, c'est vrai. Je devais m'en acheter un il y a longtemps. Mais au lieu de ça, j'ai acheté un high cacahuète. Et puis en même temps, c'est bon là. On n'a pas besoin de cerveau pour survivre. Allez. Maintenant qu'on a passé le monde des tarés, allons au geyser gluant. Queener. Oh mais, attendez. J'entends le geyser gluant. J'entends même mon queener qui queen. Je crois que c'est la sonnerie de ton 3310. Hey, mais je vais me salir avec tous ces trucs roses sur mon pantalon à 1 centime. Oh wait, j'ai des parapluies. Sac à dos, yeah. J'aurais jamais dû manger un Big Mac. Pour les parapluies, combien de parapluies est nécessaire? Deux parapluies? Alors voici les deux parapluies. Quoi? Mais ça c'est deux, mais tu sais pas compter ou quoi? Deux c'est ça, un c'est ça, trois c'est ça. Allez, retourne en petite section, va. Maintenant, allons au geyser gluant. Mais comment peut-on trouver Queener? Pour le savoir, on va regarder l'intérieur du geyser. Déjà, quelle est la composition du Queener? Queener est composé de matière extraterrestre. Génial! Tu sais où se trouve Queener? Non, c'est pas lui. Attends, moi je le dis aussi. Non, c'est pas ce que tu veux. C'est pas le beau truc. Non. Allez bien le chien. Mais tu t'es cru où là? C'est pas le Queener là. Non, c'est pas mon Queener. Effectivement, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Oui, c'est mon Queener. Oh, attention, Queener est en train de rebondir. Attrape-le quand il est temps. Allez, attrape. Non mais qu'est-ce qui se passe encore? T'as cassé mon écran plasma? Eh bien décidément, Dora c'est bien une fils de pute.